C'est une date que les membres de la famille princière de Monaco n'ont pas oubliée. Le 10 décembre dernier, les jumeaux du prince Albert et de Charlène de Monaco ont soufflé leur 7e bougie après de longs mois passés loin de leur mère. Et si la princesse s'est évidemment emparée de son compte Instagram pour leur déclarer son amour, elle n'est pas la seule. Jasmine Grace Grimaldi a elle aussi voulu marquer le coup. Joyeux anniversaire à mon frère Jacques et à ma sœur Gabriella. Que chaque année vous apporte plus de joie, de santé, de bonheur et de plaisir. J'aimerais pouvoir être là pour célébrer votre amour, a écrit la fille illégitime du prince Albert II, en signant votre grande sœur. Il faut dire qu'entre la jeune femme et les jumeaux, si est-il amour fou. J'ai une relation d'amour avec Jacques, Gabriella et Alexandre. J'essaie d'aller à Monaco au moins une ou deux fois par an. La famille est très importante pour moi, confiait Jasmine Grace Grimaldi dans les colonnes de Gala. Comme elle, Charlène de Monaco a elle aussi tenu à souhaiter un bel anniversaire à ses deux enfants. Revenue d'Afrique du Sud il y a un mois après avoir subi plusieurs opérations de chirurgie à la suite d'une infection de la sphère orale, l'épouse du prince Albert a de nouveau quitté ses proches pour se rendre dans un établissement de convalescence. Dans ce lieu tenu secret par Le Rocher, elle a célébré l'anniversaire de Jacques et Gabriella en publiant plusieurs clichés de ses enfants déballant des cadeaux. Charlène est clairement épuisée, physiquement et émotionnellement. Joyeux anniversaire mes bébés. Merci mon Dieu de m'avoir béni avec de si merveilleux enfants. Je suis vraiment bénie, a-t-elle écrit en légende. Au cœur de nombreuses rumeurs ces derniers mois, Charlène de Monaco n'a pas souhaité prendre la parole. Le prince Albert II, quant à lui, a préféré se confier dans les colonnes de People. Elle a réalisé elle-même qu'elle avait besoin d'aider. On ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre qu'il a besoin d'un traitement, il doit l'accepter lui-même, confiait le souverain du Rocher. Permettez-moi de le dire, ce n'est pas le Covid-19. Et ce n'est pas lié au cancer. Ce n'est pas un problème de relation personnelle. Et si vous voulez discuter d'une autre spéculation, ce n'est pas du tout lié à la chirurgie plastique. Auprès de People, il explique que Charlène de Monaco était clairement épuisée, physiquement et émotionnellement.